madame. J'ai besoin de vous parler un petit peu de quelque chose de bien particulier. D'aller voir la classe en parlant du développement durable, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils savent par rapport à leur métier, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous, en tant que plombier, pouvez agir sur le thème du développement durable. Quand on parle de développement durable, ils m'ont parlé de la planète, d'énergie renouvelable, le soleil, l'eau. Donc j'en ai profité qu'on parlait de l'eau pour venir sur leur métier. Récupérer l'eau, oui. En fait on revient dans le recyclage de l'eau. Voilà. Ici on utilise 214 litres par jour d'eau. 20% de notre eau va dans les WC, donc on a estimé que c'était pas normal. Si on se compare à la métropole, bah nous si demain on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de rien, bah on est vraiment KO quoi. On est une île, on ne peut pas dépendre de pays frontaliers, donc il faut qu'on trouve des solutions pour nous-mêmes. Trouver des moyens de recycler, d'utiliser ce qu'on a déjà sur place, ne pas importer, c'est une bonne chose. Quel type d'eau vous pouvez réutiliser? Le Pouvoir recycler, moi je connaissais que récupérer l'eau de pluie pour arroser son jardin. Ça a toujours été fait, en tout cas à La Réunion, les anciens récupéraient l'eau de pluie. Réutiliser de l'eau grise pour utiliser dans les toilettes, alors là, moi c'était une découverte pour moi. Mais les eaux grises, c'est quoi? Les eaux grises sont des eaux usées domestiques, faiblement polluées. Issues par exemple des douches, des lavabos, ou même des éviers. Et si la solution était de recycler les eaux grises? En plus, je vais rajouter une difficulté supplémentaire. Je vais vous mettre en concurrence avec 14 centres de formation d'apprentis, de la chambre de métier d'artisanat, et pas que de La Réunion. De La Réunion, vous êtes tout seul. Attends, on a une seule classe? Une seule classe, la vôtre. Je me suis dit, j'en revenais pas. Je dis, c'est pas possible. Sur La Réunion, c'est nous la seule classe. Pour cette battle, il fallait réfléchir et qu'est-ce qu'on allait faire, comment on allait le faire pour pouvoir mettre en place ce projet, hein, cette idée qu'ils viennent d'avoir, qui vient de germer de leur tête. C'est plus une idée en l'air, on nous a dit que, on pourrait peut-être que. C'est devenu concret, justement. Alors, avec les copains, on a décidé de recycler l'eau avec laquelle on lave nos mains pour les envoyer dans les WC. Dans cette structure, il y aura un lavabo. Les eaux usées vont passer par un filtre qui vont atterrir dans un réservoir, puis il passera par une pompe pour les envoyer dans un WC déjà existant de notre atelier. Si on pouvait l'étendre un peu plus dans les autres établissements ou ailleurs, ce serait une idée merveilleuse. Les apprentis sont plus que fiers. Je ne sais pas s'il y a un mot au-dessus de fier. S'il existe, je veux bien le prendre. Ils ont envie de tout casser. Ils sont très investis dans le projet. C'est une fierté parce que on est les seuls à La Réunion. Et La Réunion n'est pas tout le temps mise en avant. Je suis content de participer à cette battle parce qu'on va représenter un peu notre petite île de La Réunion. On aime beaucoup la compétition. On a le sang chaud. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Toute la classe, on est trop chaud, on est trop fort, on verra bien. Ça peut être un grand pas pour l'écologie, et voilà, Tsipa-Tsipana est arrivé, et voilà, il faut nous mettre ensemble, quoi, et voilà. Tu l'attends? Alors on va... Attendez, les porteurs et tout. Qui est ta main de l'homme?